Vidéo rapide pour vous montrer comment mesurer l'équilibre d'une raquette de tennis. Donc très simple, on a besoin bon, d'un crayon, d'un objet en tout cas arrondi sur lequel on pourra poser la raquette, une règle pour mesurer et quelque chose qui fait la liaison entre la règle et le crayon. Donc ici de la pâte à fixe qui permet finalement d'aligner le début de la règle sur l'axe, sur le centre du crayon. Voilà. Ensuite, on positionne la raquette comme vous pouvez voir ici. Donc, voilà, et on cherche le point d'équilibre à peu près. Voilà, on voit que la raquette se cherche. Hein, voilà, à droite ou à gauche. Et quand on est proche du point d'équilibre, il suffit de mesurer. De mesurer, en tout cas de lire la mesure au bout du manche. Donc ici, 33,1 à peu près. Voilà, on est précis avec cette méthode, on est précis, on va dire, à plus ou moins 1 mm. Voilà.